J'y crois pas. Eh bien voilà, comme chaque mois, nous voilà ensemble, ensemble et en direct pour un débat d'environ 1h30. Un débat qui, à mon avis, vu le thème, devrait être assez sulfureux. En effet, autrefois, quand tout allait mal, quand on avait ce qu'on appelle une série noire, on avait tendance à imaginer qu'on était victime du mauvais sort, du mauvais œil. Alors vous allez me dire, à notre époque, le mauvais sort, le mauvais œil, ça peut faire sourire. Et pourtant, vous serez quand même d'accord avec moi que parfois le destin a des façons de faire qui ne trouvent absolument aucune explication rationnelle. Alors par exemple, et tout à fait au hasard, par rapport, eh bien nous avons Glenn Benton. Bonjour Glenn, vous êtes chanteur de rock satanique, vous êtes venu spécialement des États-Unis et vous allez nous expliquer, enfin j'espère, pourquoi vous vénérez Satan. On aimerait bien comprendre. It's okay? It's okay? Du côté des sceptiques, maintenant, nous avons... Chose qui vous arrive de vos vies antérieures et qui vous, je sais pas moi, qui vous inspire pour composer vos partitions de rock ou pour... je sais pas, vous êtes là Attendez, j'attends la traduction. Oui. Je crois que ce qui arrive dans cette vie pour moi, c'est complètement dingue. Pourquoi c'est dingue? Why? Parce que je hais Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que ça a une relation avec justement des vies antérieures, avec des choses qui vous seraient arrivées, cette haine que vous avez en vous? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. Tout à l'heure, vous nous expliquerez. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous vénérez à ce point Satan. Hein. Moi, j'aimerais que on passe à, vraiment dans un registre tout à fait différent, parce que je voudrais qu'on conclue. Marie est convaincue d'avoir en elle un diable et l'esprit d'un humain. Elle est marquée par un passé très douloureux. À 8 ans, elle a été abandonnée par ses parents et elle ne l'a pas supporté. Elle a fini par se réfugier dans le monde de l'occulte. La relation que j'ai eue avec un marrant était une relation sexuelle. C'était une possession sexuelle. Je suis tombée très très vite amoureuse. Par des mots, par les mots qu'il avait su me dire. Il me disait, mon amour, chaque fois que je me masturbe en toi, je t'empoisonne. Je déverse en toi du venin. Après, j'ai compris que j'avais été choisie pour enfanter l'enfant de Satan sur terre. L'idée d'avoir un enfant de Satan a terrifié Marie. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se faire exorciser. Don Amorte est l'un des 5 exorcistes catholiques de la ville de Rome. C'est un intégriste. René Crozet, désavoué par le clergé français qui le considère comme un charlatan, est venu à Rome pour y rencontrer Don Amorte et chercher ainsi la caution d'un représentant de l'Église catholique. Monsieur Crozet, je vous salue de tout mon cœur. Il va partir. Est-ce que l'on pourrait montrer, à votre avis, ces exorcismes-là au clergé français? Est-ce que ça s'est... Oui, je crois que cette cassette d'exorcisme fait du bien à tous les prêtres, soit français, soit italien.
Parce que ce sont des exorcismes bien faits. Es-tu là, esprit mauvais, dans le temps du Brésil? Réponds! Par le Christ notre Seigneur! Sors du corps de Jacques! Sors du corps de Jacques! Oui ou non? Tu as smodé? Tu fous le camp, alors. Embrasse le Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu te commande. Esprit asmodé, tu dégages. Satan, réponds-moi. Combien vous êtes dans le corps de Brigitte? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réponds-moi. Combien vous êtes? Combien vous êtes? Eh bien, on n'est pas sortis de votre corps, les enfants. Par le Christ notre Seigneur, tu t'en vas. Allez, tu sors du corps de Brigitte. Tu laisses m'emmerder. Eh bien, dites donc, je vois que Glenn Benton est hilar, c'est un peu le seul, parce que moi je trouve ça assez, c'est assez pénible. Père René Benton, j'aimerais bien quand même que vous parliez un petit peu, même si on doit rendre l'antenne, vous venez de très loin, vous venez de Floride. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, de voir le diable partout? Moi, je vois le diable tout le temps. Ouais, partout. Et vous le voyez depuis combien de temps? Je le vois, je le sens, je l'aime. J'adore vivre dans le noir. Ça, c'est ma vie, ça, c'est la façon dont j'aime vivre. Personne d'autre n'a besoin de l'accepter que moi. Et pour vous, vous êtes à d'être possédé? Non, vous ne pouvez pas savoir. Vous venez de sortir un disque aux États-Unis qui a été censuré parce que bon, on n'a pas ventitré l'image. L'image représentait un Christ totalement éventré. Vous avez donc été censuré. Je suis désolée, mais est-ce que c'est pas aussi une bonne façon de se faire de la promo, de faire de la provocation comme ça avec l'image de Dieu, avec l'image du Christ? Ce morceau d'art est un exemple du concept qui va avec les chansons et les paroles, qui dépeint Christ comme un humain, comme nous sommes chacun d'entre nous. Voilà ce que l'art est. Il faut montrer le Christ comme un homme et pas comme un messie, parce que c'est pas vrai. Donc vous croyez, pour vous, c'est Satan qui est une valeur suprême? Et vous pensez, vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, quand même, les gens qui vous écoutent, ils ont peut-être envie d'autre chose pour pouvoir avancer, vu, je sais pas, vu ce qui nous entoure. Vous croyez effectivement que c'est un discours d'urgence à véhiculer en ce moment? Excusez-moi d'être un petit peu direct comme ça, mais bon. Hein. On est en direct. On est en direct. La traduction est un peu... Vous pensez que c'est une priorité, voilà. Je veux dire, on est dans un monde où c'est la merde et vous pensez que c'était une priorité de vous revendiquer satanique? C'est partie de ma vie. Moi, depuis que je peux me souvenir, j'ai vécu dans l'ombre. Et bon, il y a des gens qui, sur ce monde, suivent... Et puis il y en a d'autres qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, et puis moi je suis parmi ces gens qui sont mauvais. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais? You're good or you're mauvais. Vous êtes mauvais. Bon. Alors écoutez, on va lancer le vote de fin. Tout ce que je peux dire, c'est des chants, des pensées mauvaises. Oui. Alors, tout ce que vous racontez, c'est... La seule manière d'exorciser le mal, c'est de dessiner dans la figure de ce Satan qui parle de lui, qui ne te parle pas encore. C'est la seule façon de dessiner. Sinon, on va continuer à ce bavardage de rien. On a fait appel à la crédulité des gens, c'est triste. Alors écoutez, justement, vous avez raison, Martin Gray. Il comprend aussi qu'il y a des charlatans qui en profitent parce qu'il y a une crise sociale. Il y a la misère. Et aujourd'hui, il y a des gens qui tirent profit de ça, qui essaient de manipuler tout ce qu'on peut faire dans un sens négatif. Le diable, c'est le mensonge et c'est la propagande. Le diable, c'est les fentes qui subissent des enfants. Voilà les diables. Et tout le reste, c'est de littérature. Et je pense qu'il faut cesser avec cette stupidité, parce que finalement, c'est une insulte à notre intelligence, à notre siècle, aujourd'hui, dans le 20e siècle qu'il vit. Alors nous, ce qu'on a voulu montrer, Martin Gray, je suis d'accord avec vous. On a voulu diable, c'est pas. C'est dramatique, c'est la sorcellerie. Ça dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Vous nous avez poussé à venir, les grands prêtres et la grande prêtresse. Non, je finis. Une seconde, on voudrait apporter. Bien sûr, c'est sûr que c'est gênant parce qu'on voit que les envoûtements, ça marche pas. Vous nous avez promis ensuite 35 minutes maximum. Alors maintenant, ou vous nous laissez la parole, vous laissez la parole à la grande prêtresse, au grand prêtre de l'avocat, ou on s'en va, mais faut pas prendre les gens pour Je voudrais quand même que l'on remarque une chose. Soyez polis, s'il vous plaît.
C'est que Géraldine et Frédéric, vous avez été voir différents ensorceleurs. Et on est en pleine forme. Vous êtes en pleine forme, vous ne bavez pas, vous n'avez pas les jambes cassées. Et ça devait se faire le 10 au soir. Je crois, attendez, Sterna, je crois que bon. Pour conclure, Martin Gray, moi je voudrais une conclusion. Quand tout va mal, je voudrais savoir, plutôt que de croire au mauvais sort, aux choses comme ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire pour rester debout, pour reprendre l'expression de votre livre? Qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire? Eh bien, il faut être. Je pense qu'il a mis. Ah ben les sorties sont bons, ils ne sont pas contents. La bouteille est à moitié pleine. Oui. Eh bien, je pense que le plus important de notre vie, c'est connaître ça. Martin Gray, oui. Non, parce qu'on voit malheureux. On voit que les chiffres n'ont pas tellement baissé, pourtant. La plus importante chose dans notre vie, c'est de se connaître soi-même.